Bonne soirée. Oui, Kate. Ah!
Alors je lui ai dit d'aller le chercher tout seul. Vous, madame, approchez et contemplez. Voici le robot ménager du siècle. Il va transformer cette banane en un délicieux jus de fruits en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Une petite gorgée? Madame? Madame? Eh oh! Madame! Et toi, dégage de là! Fichez le camp! Oh, c'est ça que vous voulez? Dans ce cas. Ah,
En avant. Super promo! Casquette offerte! En voilà une pour toi! Ouais. Oui, elles sont gratuites, alors n'hésitez pas à approcher! Et voici la dernière. D'accord, ma puce. Ouais. Allez, on y va.
Qu'est-ce que t'attends? Allez, fais ta grosse commission. Bravo. Y'a rien. Je me demande où est-ce qu'on recycle les piles usagées. Oh, c'est ici. Adieu, mes vieilles piles. Voilà, je remplis mon sac de craquant, il est assez grand, blond et il habite juste en face de chez moi. Est-ce que ça va, Dolly? Je t'aime, maman! Je t'aime, maman! Hé, tu es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Hé, Zoé, ma poupée, arrêtez de parler! Tu sais quoi, hier, il est même venu me voir. Zoé, il faut changer les piles! Chut! Ouais, il pouvait pas aligner trois mots, il est devenu tout rouge, c'était trop mignon. Ouais, c'est clair. Maman! 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 Cher client, nous
nous informons que le magasin ferme ses portes dans 5 minutes. Bien, allez, c'est déjà. Waouh! Alors, voyons voir. Je t'aime, maman! Je l'ai sauvé! Ouais! Oh. Oh, tu veux lui dire bonjour? Je t'aime, maman! Non, pas vrai. Bon. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Recherche de déchets activée. Eh oh, je suis en dans le magasin, ouvrez-moi! Et il veut qu'on aille voir Alien Zombie Z. Non mais t'imagines? Zoé! C'est pas marrant! On est coincé ici et il faut qu'on sorte! Il faut que je donne son goûter à Alice. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'elle n'ait pas encore râlé. Alice? Oh, Alice! Zoé! Zoé! J'ai une idée! Cette machine pourrait défoncer la porte! Éliminer déchets. Éliminer déchets. Chérie, est-ce que tu veux que je prenne des aubergines aussi? Oh.
Oh.
un petit boulot sans risque qui disait... Quoi, tu vois? Du coup, ça mange quoi déjà? Hein? Des petits pots? C'est dans quel rayon ça? Ah, c'est bien, non? Rhum raisin, ça peut être bien, non? Ou fraise vanille?
Ah!
Oh.
Coucou. Ah,
Chromium. Ça. Gros-mère! Gros-papa! Miam miam. Gros miam miam.
Chromiam-miam. Oh. Au revoir. Chromiam. Gros, surveille, gros, pas bouger. Miam. Comment j'ai Bye-bye. Oh.
ou moi. Moi bon. Hein Baba Comprends pas. Ok, t'es bon pour retourner à l'atelier. C'est parti. Top de dormir à la belle étoile en forêt, rien que toi et moi. Pas vrai, mamie? Ah, ça, tu l'as dit. La nature, ça va te changer de tes écrans et de toutes tes histoires tordues à propos de marmottes aliens. Ce sont des lapins aliens, mamie, et ils sont... Oh, oui, c'est ça. Oh, où sont les duvets? Et la tente? Pourquoi faire? Cette nuit, on dort sur une bûche. Et demain, on ira débiter quelques troncs pour se construire une cabane, comme à l'époque où je coupais du bois. Je vais commander un duvet sur le net. Pas question. Pas de technologie ce week-end. Regarde, on n'est pas bien là. Bonne nuit, je la connais. Nouvelle destination. Super, pas de duvet, pas de toit, et je suis sûr qu'il y a plein de bestioles. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Tu peux le faire.
Ma grande ouvrinement. Salutations, humain. Hein? Vous parlez? Oh! Je le savais, vous êtes intelligent. En effet, supérieurement intelligent même, il était temps que quelqu'un s'en rende compte. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Auriez-vous l'amabilité de me rendre ce précieux objet, s'il vous plaît? Jamais! Soupir consterné. Oh, ma tête! J'ai mis mes lunettes! Ils ne m'auront pas. Je dois appeler la police ou l'armée. Mamie, tiens bon, mamie, je vais te sauver. Tu as fait péter une vieille sans défense et me piquer pour te maltraiter, le sale petit copain. Non, j'aime plus. Papa. Oh, papa. Mamie. Papa. Seulement. Tu ne m'échapperas pas. Reviens, lâche. Viens me battre. Je vois que vous êtes très occupé, humain, mais pourriez-vous... Tu vas voir. Tiens bon, Jacques, mamie est là. Mamie. Oh, zut. Tu vas voir les caisses. Fonction spatio-temporelle activée. Destination, moins 3 millions d'années. Nouvelle destination. Bon sang, mais qu'est-ce que c'était que tout ça? Les aliens, les lapins aliens qui veulent détruire le monde. Et ils ont failli nous découper en morceaux. Oh, il faut toujours que tu exagères. Je ne laisse jamais la chaîne, sinon c'est beaucoup trop dangereux. Mon cheval à bascule. Zach? Oui, maman? J'ai commencé à jeter tes vieux jouets. Pourquoi? Aujourd'hui, on fait un grand ménage, tu te souviens? Alors tu vas me faire le plaisir de rentrer.
Tu feras moins la fière quand tu seras changé en alien. Les aliens? Un jour. Zach, est-ce que tu as rangé ta chambre? Je viens vérifier. Va pas.
Ah!
Ce soir, les forces de l'au-delà sont insatiables. Il est de notre devoir de les satisfaire, car nous sommes leurs humbles et dévoués serviteurs. Alors, si j'étais une alarme, où est-ce que je me planquerais? Bingo. Ok. Bon. Qui est là? Je commence à être parano avec l'âge. Hop, et celui-là, il va là. Parfait. Oh, esprit, manifeste-toi. Frappe trois fois. Qu'est-ce que... Hein? Trois coups? Il a répondu? Évidemment, j'ai invoqué l'esprit et il a répondu à mon appel. Après la lumière viennent les ténèbres. La lumière, les ténèbres. La lumière, les ténèbres. La lumière. Oui, bien sûr. L'esprit attend ses offrandes. Beaucoup d'offrandes. Ici. Vous croyez où? Dans un cirque? Allez, fichez-moi le camp!
Ne m'obligez pas à venir voir. Je sens que mes pouvoirs psychiques entrent en contact avec lui. Ah, l'esprit, il se manifeste encore une fois. C'est qu'il nous a choisis. Nous sommes ses élus. C'est pas normal. C'est pas anormal. Ça suffit. Je me fais trop vieux pour ces... L'esprit, il essaye de me parler. Vous n'avez qu'à m'attendre ici. D'accord? Et tant que vous y êtes, vous n'avez qu'à vous prosterner devant notre idole. Ces jeunes regardent beaucoup trop la télé. Non! Mon argent! C'est l'esprit. Oh. Oh, regardez, c'est l'esprit. L'esprit. Super intelligent. Qui sait quelle mystérieuse force j'ai déchaînée? Oh.
Dotés d'incroyables super pouvoirs. Les lapins auraient été localisés dans un supermarché et la police prépare une opération commando pour les arrêter. Déployez-vous. Téléphone. Pas celui-là, la ligne directe du président. Ici le président, j'écoute. Alors où en êtes-vous avec ces horribles lapins ? Tout est sous contrôle, monsieur le président. Nous sommes en position et prêts à les neutraliser, monsieur. Le désastre, mais tout de suite, une page de pub. Faites comme tout le monde, soyez unique en buvant Pepper Juice. L'opération est un succès, monsieur le président. Les trois individus ont été neutralisés. À vous, à vous. On y va ? Temps de réaction. Monsieur ? Quand pourrais-je dire à la presse que la situation est sous contrôle ? La ligne directe. Quelqu'un a vu le téléphone rouge ? Trouvez-moi ce téléphone ! Mais que se passe-t-il avec cette ligne ? Ah, quand même. Tout est sous contrôle. Ça va me faire monter dans les sondages. Ah, papa!
Bye-bye.